ce sprint? Bon, le sprint, ça a été assez... C'est limpide, j'avais décidé de garder sa roue parce que jeudi, il m'avait sauté sur la ligne, donc j'ai essayé de faire de même. Là, vent de dos, bah, aujourd'hui, il était trop rapide, clairement. Avec le vent de dos, j'ai pas réussi à le déborder. Quoi. Vous avez été surpris par le scénario de l'étape? Ça a été extrêmement rapide, extrêmement contrôlé aussi. Bah, déjà, ouais, on a essayé de contrôler. C'était un peu notre envie au début de l'étape. Après... Après, ouais, ça a été super dur. Hein. Toute la journée, ça a roulé à fond. On sait qu'Ineos voulait peut-être aussi un petit peu contrôler pour Etainetter. Et du coup, bah, pour nous, c'était un bon scénario. On a fait le maximum. Les gars ont fait le maximum. Dès qu'il y a eu l'échappée, on s'est mis à rouler. Et ensuite, voilà, j'avais de bonnes jambes. Je savais que je pouvais arriver dans un groupe réduit comme ça. Et voilà, Grove était encore là. Et c'est comme ça. Juste pour conclure, il y a encore demain, mais quel bilan vous tirez de cette semaine? Ouais, c'est plutôt positif, hein. Je suis content d'être venu. Après Paris, Nice et Milan, ça faisait un gros enchaînement, mais je suis pas déçu. Après, bien évidemment, j'aurais aimé gagner. Demain, ça va être compliqué, mais voilà, on a fait une belle semaine. On fait deux fois deuxième, dixième le premier jour sur une arrivée qui je pense, était plus difficile que ce qu'on imaginait. Après, il y avait peut-être la fatigue de Milan aussi deux jours avant. Donc voilà, deux fois deuxième, c'est plutôt positif, même si on vient toujours pour gagner. Merci beaucoup.